Bonjour et bienvenue dans Cric Crac Croc. À l'honneur de ce premier épisode, un petit chaperon rouge. Un petit chaperon rouge est un album au format à l'italienne, écrit et illustré par Marjolaine Leray. Originaire de Nantes où elle a fait des études en art appliqué, elle travaille maintenant à Paris où elle est graphiste et illustratrice indépendante. C'est en 2009 qu'elle dessine, enfin qu'elle gribouille si j'utilise ces mots, sa version du petit chaperon rouge. Dès la première page du livre, le petit chaperon rouge rencontre le grand méchant loup, lui demandant « Où tu vas, toi ?». De là naît une discussion entre les deux personnages qui fera rire petits et grands jusqu'à un final surprenant. Dans une interview, Marjolaine Leray disait « J'aime bien quand ça décoiffe et que ça gratte un peu ». C'est le cas de son album et de cette fin ouverte et originale qui pourra laisser place à la discussion avec les jeunes. Pour arriver à ces personnages aux expressions marquées, Marjolaine Leray sort ses crayons de couleur et commence par des croquis rapides avant de passer au format réel. À ce moment-là, elle recommence plusieurs fois chaque dessin pour arriver à ses illustrations mêlant à la fois esquisse et précision. Un petit chaperon rouge est édité chez Actes Sud Junior et est disponible en 5 langues. Il a été sélectionné au prix du premier album jeunesse de Montreuil en 2009, au prix Sorcière en 2010 et au 22e prix des Incorruptibles. On peut aussi retrouver Le Petit Chaperon Rouge et Le Grand Méchant Loup de Marjolaine Leray dans le spectacle Suite Curieuse de la compagnie K-Public. Pour finir, si je devais donner 3 mots pour définir ce livre, je dirais drôle, original et discussion à la fois dans le livre et à la fois avec les jeunes après la lecture. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Cric Crac Croc. Bonne lecture !